Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The chamber wishes to make a ruling. Souhaite rendre une décision. On 1st of August 2016, the lead co-lawyers les co-avocats communicated to the chamber their proposed list of civil parties for the hearings on the harm suffered by the civil parties for the fourth topic lors de la quatrième phase du procès on the security center and internal searches and requested the admission of true documents into evidence, the 22/289A et D22/7732, en tant qu'éléments de preuve relatives à des parties civiles figurant sur la liste, soit respectivement 2 TCCP 1050 et 2 TCCP 1048, respectively. And that is document E315/1/6. Subsequently, par la suite, on 10 August 2016, the lead co-lawyers informed the trial chamber by email that 2 TCCP 1048 from their proposed list sur leur liste would be replaced by 2 TCCP 1051. Proposed document, D22/289A, provides supplementary information to the civil party application of 2 TCCP 1050, who will appear during the hearings on the harm suffered by the civil parties endurées par les parties civiles lors during de la quatrième phase du procès. The trial chamber recalls its practice to admit into evidence all prior statements of civil parties or toute déclaration antérieure d'une partie civile ou d'un témoin comparaissant devant elle en application des règles 87.3 et 87.4 du règlement intérieur. It is in the interest of ascertaining the truth that the chamber and parties have access to all of the statements of civil parties and witnesses who will be heard in case 002/02. The chamber therefore grants the lead co-lawyer's request to admit proposed document D22/289A document proposé and assign it document number E3/4733. E3/4733A. Proposed document D22/2732 is the civil party application de constitution de partie civile de 2 TCCP 1048. Who is now qui withdrawn ne figure plus sur la liste des parties civiles the que les co-avocats principaux entendent faire citer à comparaître. As this is accordingly not faute a de constituer statement une déclaration antérieure d'une partie civile appelée à comparaître devant la Chambre no further justification et on the basis en l'absence of rules de toute autre justification présentée sur le fondement des règles 87.3 the chamber rejects the request to admit the document. This constitutes the chamber's official response to E315/1/6. Constitue la réponse officielle de la chambre à la demande E315/1/6. And the floor is now given again to the lead co-lawyer to continue his key document presentation. Qui pourront continuer à présenter leurs documents clés. Maître Pican. Once again, good afternoon, Your Honours, and good afternoon, everyone. Bon après-midi, Madame, Monsieur I le Juge. I continue with my key document presentation. Je poursuis ma présentation. And I will take about 10 to 15 Il more minutes. Il me faudra encore 10 à 15 minutes.
the next civil party that I'd like to present is Ms. Madame Roumaine. Madame Roumaine. She lost her brother, elle a perdu Tim, son frère, who was executed at the Tulslang prison. À Tulslang. In her civil son party application, E3-4672, Constitution de Parti Civil, at Khmer EAN00211239, English 00233378279, French 00285252121212. She mentions the following, elle and allow me to quote. Suit. Later, Khmer Rouge soldiers turned up in the village for 2 to 3 months. Sont venus they dans le village où ils sont restés 2 à 3 mois. Pagodas. Ils ont capturé tous les moines des pagodes. At that time, all monks were moment, made to wear black tous les clothes moines ont done été forcés by the Khmer Rouge à porter soldiers. Les vêtements noirs des Khmer Rouge, des soldats Khmer Rouge. They had to wear black uniforms, and that they had to serve in the army. Et ils devaient rejoindre l'armée. There were about 11 monks, and all of them were disrobed, 11 moines, including my younger brother, Ruk Tim, dont Ruk Tim, mon who frère died. A comrade was also killed by the Khmer Rouge. Comme Tip, another man currently resides in Mriam Khang Chuang village, Mriam sub district, Rumin Hai district, Spiri province. All of the other mons disappeared. District de Rumia Haek, tous les autres moines ont disparu. In 2007, the Documentation Center of Cambodia brought a biography of prisoners. La biographie including a photograph of my younger brother Ruk Tim, une photo de mon frère cadet Ruk Tim, who was imprisoned at Tulslang prison. Tulslang. They brought me that document, ce document to my m'a house. Donc été apporté chez moi. And the name Ruk Tim also appeared on the list of prisoners at S21, which is the OCIJ's list, la liste du BCJ. And it appeared at number 7898, which states that il he est indiqué entered qu'il est arrivé à S21 on 27 January 77. In document E3-7514, which is a biography of a prisoner named Ruk Tim, who is the younger brother of civil party Ruk Main. Ruk Tim was arrested in division 170 à la division 170 on 27 January 1977. And with your permission, Mr. President, I'd like to show document E3-7514 on screen. Le document it is at Khmer EAN00-0795-80, English 00234039, French 00290804. And I seek your permission to show that document on screen, Mr. President. President, maybe you need please show that document on screen. Veuillez faire apparaître ce document à l'écran. Counsel, at number one, the name display is Ruk Tim. Au numéro 1, le nom est Ruk Tim. And his photo is also attached to this biography. Sa and photo at that time, est aussi annexée à la biographie. À l'époque, you. Il avait 21 ans. And
And in another document, that is E3/9843, which is a list of incoming prisoners in January 1977. Ruth Tim is also mentioned, and his name is mentioned at Khmer EN 0101-0006. And again, with your permission, Mr. Encore President, fois, I'd like to show document E3/9843 on the screen at the relevant year number that I just la page quoted. Précité. President, every unit, Le please show that document Service on screen. Allez-y. At number 07.17, which is a house number, and at serial number 8, the name that is mentioned is Ruth Tim. Le nom this is a tool slang document. C'est un document de tool slang. I'd like to now move on to the rest of the civil parties, and there are two remaining, deux dernières parties and they are related to the segment on internal purchase. Segment the first document is the document, civil party application of Madame Ken Mae. De constitution de partie civile de Madame Ken Mae. And Madame Ken Mae passed away. Elle est décédée. And in her civil party application, dans she mentions that she lost her younger brother elle dit avoir perdu during the un regime. Frère he was cadet a Khmer Rouge soldier. Son frère était soldat Khmer Rouge. In her document, that is E3/5949, which is a civil party application, soit ça at Khmer EN 0042-1691, and English, en anglais, 0047-6154. And a French translation is not available, il however, a, pas de a request has been made. Même si une demande dans ce sens a été faite. She stated the following, ici, and allow me to et je quote. Vais citer. My young brother, mon frère cadet, who worked as a soldier, was killed by the Khmer Rouge at Preikoki Pagoda. Par les Khmer Rouge, à la pagode de Preikoki. Rather, at Preikoki Pagoda, and Supi was in charge of that pagoda. The pagoda was located in Trapean Sangkai village, situated west of the pagoda, and that happened in early 1978. C'était à l'ouest de la pagode. I saw my brother taken passing my house by Khmer Rouge soldiers. Mon frère passait devant chez moi. Each il of était the soldiers par des Khmer Rouge. Was armed, and I could not do anything, Khmer only setting my tea. Je I did not dare to help my brother, as I was pleurer. Afraid that I would be killed. Je n'ai pas pu aider mon frère. And the next civil party is Lac Lane. Civil Lac Lane à présent. The civil party also Cette passed partie away. Civile est également décédée. She lost her Elle a perdu eldest son, who son fils aîné, was killed at Yon Sopi's office. Au bureau de Yon Sopi. In her document, dans that is E3/5950. At Khmer EN 0042-1708 and in English 0048-8028 and there is no French EN, however a request for translation has been submitted. She made mention of the following point and I quote, my eldest son was killed in 1977 by the Khmer Rouge. He was a soldier during the Pol Pot regime. Sous le régime de Pol Pot.
He had struggled il for avait the nation, combattu but au service de la nation, mais killed. Finalement, il s'est fait tuer. He was just 15 il years old ans when he was killed. Quand il a été tué. Before my son was killed, avant a Khmer Rouge soldier told me that he took him for mort, work in a factory. Un Khmer Rouge on the contrary, he was recruited as a soldier. L'avoir he emmené travailler dans une usine, that he mais en réalité, il a été enrôlé comme soldat. The work in the factory, but there was much to work il m'a in envoyé Rome une lettre indiquant in Prévin. He qu'il went on to say that he worked in the paddy fields under the baking sun. Il a écrit he did not qu'il receive sous un enough soleil food de plomb to eat. À la rizière et qu'il n'avait pas assez à manger. Later, I heard ensuite, that he j'ai entendu dire returned home qu'il était rentré to à la maison à O Reang O. I then asked my husband j'ai to demandé go and received him. À mon mari d'aller le chercher. My husband waited there for mon two nights, but did not hear anything about nuit, our son's whereabouts. N'a eu aucune nouvelle de later, l'endroit we were told fils. That ensuite, our son was killed at Yun Sopi's office. Au bureau de Yun Sopi. Most soldiers la plupart des soldats were killed ont été tués at à ce the office. Bureau. The news of our son's la death hurt us tremendously, de notre but we just could not make it known for fear that we too would blessé. Be taken to be killed. Mais nous n'avons pas pu and lastly, the civil party le faire savoir de crainte d'être tué à notre tour. Ensuite, voix sonne et la partie civile suivante. The civil party cette passed partie away, civile est décédée. And during the Khmer Rouge regime, sous le régime des Khmer Rouge, her elder brother, elle a perdu son frère named Wama, aîné, who was chief of a cooperative, chef de coopérative, and who was a subordinate to Sao Pum. Un subordonné de Sao Pum. In her civil party dans application, sa that is E3/6067, at the Khmer EAN 005-001624, and there is no English or French translation, traduction anglaise ni she mentions the following point donc, and allow me to quote. Je vais la citer. In May 1978, Fama, that is my father's brother, mon frère aîné, disappeared. A disparu. During the Lunar regime, sous my brother, elder brother, lived in Kosotan, Kampong Cham province. De after the Khmer Rouge took control la prise on de 17 April 1975, he, Wama, was appointed by the Khmer Rouge as chief of a cooperative, and I do not know the name of that cooperative. And later on, Sao Pum, who ensuite, was the Sao chief Pim, of the East Zone, chef de la zone Est, in early 1978, and people in the village, in a village whose au name I cannot 78, recall, although it was in Kosotan district, Kampong dans Cham le district de province, des gens dont j'ai oublié le nom, were la province angered de Kampong Cham, and they went on a strike against the revenge again, against Wamao, who was a subordinate of Sao Pum. However, in fact, Wamao only implemented the order from the upper echelon les ordres de l'échelon supérieur for various assignments in the cooperative. Concernant les différentes the Khmer Rouge soldiers, whose names are des soldats Khmer Rouge tied him up and sent him away. And that emmené, happened in May 1978. On ignore le nom this is the information concerning voici the last civil party by Son. Civile. And I conclude my part on the voilà key document presentation. À mon and with your permission, Mr. President, I'd like to see the floor j'aimerais to à la parole my international à ma lawyer la co-avocate to present her part. Qui va à son tour présenter sa partie de l'exposé. President, yes, le président, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, et bonjour thank you, Mr. à tous. President. Good afternoon, everyone.
Je vais présenter cet après-midi une série de listes de prisonniers de S21 en lien avec six parties civiles. Et avant de présenter ces documents, j'aimerais expliquer à la Chambre que la liste du bureau des co-juges d'instruction, la liste E3-10604, s'est avérée être un outil très important pour les parties civiles, puisqu'il nous a permis, ce document, d'identifier des listes d'époque sur lesquels les noms de proches de parties civiles ont été retrouvés pour la première fois et que des informations que les parties civiles n'avaient jamais eues, comme la date d'entrée de leurs proches à S21 ou la date d'écrasement de leurs proches à S21, leur a été disponible pour la première fois. Donc, une série de documents qui concernent les proches de six parties civiles. Et Monsieur le Président, pour que cette présentation soit la plus fluide possible, notre consultante s'est déjà organisée avec votre greffe pour que la présentation des documents puisse être la plus fluide possible sans que j'ai besoin de vous demander l'autorisation d'afficher chaque document. Si cette méthode vous convient, Monsieur le Président, afin que je puisse fluidifier au maximum la présentation de cet après-midi. La Chambre accepte votre proposition. Je vous remercie, Monsieur le Président, et avant de commencer cette présentation, j'indique à l'attention de la Chambre et des parties que l'ensemble des informations que nous présentons aujourd'hui et l'ensemble des informations contenues dans les constitutions de parties civiles ont été vérifiées par notre section directement auprès des parties civiles elles-mêmes, sauf bien évidemment pour les parties civiles qui sont décédées. Donc je vais commencer cette présentation avec des documents et des listes en lien avec la partie civile Sienton. Sienton s'est constituée partie civile par le biais du document E3-5020. Sienton a perdu son mari à S21, Wine Noon. Et pour parler de son mari, Wine Noon, j'aimerais citer un extrait de sa constitution de partie civile à l'ERN en Khmer 00865684 00894116 en anglais, 00893426 en français. Dans cette constitution de partie civile, Sienton explique que son mari était un Khmer du Kampuchea Krom, fonctionnaire sous le régime de Lon Nol, qu'il était fonctionnaire de la Banque nationale du Cambodge en poste jusqu'à la chute du 17 avril 1975. Et elle indique ceci: plus tard, il a disparu sans que l'on sache où il était parti. Par la suite, on m'a dit qu'il avait été emmené à la prison de Tuas Lang pour y être tué. Nous avons retrouvé deux listes d'époque qui contiennent le nom de son mari. Et avant de présenter ces deux listes à l'écran, je voudrais indiquer le numéro d'entrée du mari de cette partie civile dans la liste du bureau des co-juges d'instruction. C'est le numéro 8418. Et je vais présenter deux listes de prisonniers, en commençant par la liste
E3/10234 à l'ERN 01 01 66 5 7. Si nous pouvions avoir le document, et vous verrez dans ce document que Wai Nong avait 23 ans quand il est entré à S21 le 20 mars 1978, qu'il venait du sud-ouest, qu'il s'agissait d'un Yun du Kampuchea Krom. La deuxième liste qui concerne Wai Nong est la liste E3/10234. Il s'agit d'une liste de prisonniers entrés à S21 le 20 mars 1978 et qui comporte une information additionnelle, puisqu'on nous apprend que Wai Nong travaillait dans les champs, et je le dis en anglais, working at the field. Working at the field. Je passe maintenant à la deuxième partie civile. And now I will go to the second civil Cao party. Kim-hon, qui s'est constituée partie civile suite au décès de son mari, Tat Nun. Et lorsqu'elle s'est constituée partie civile, elle indique ceci dans le document E3/5089 à l'ERN en Khmer 00907 5563, en anglais 00131256 4, en français 01 31 2 5 6 6. Mon mari était Tat Nun. Il était enseignant à l'école primaire Chaktomuk dans la ville de Phnom Penh. Nous avons eu 5 enfants, dont une fille et 4 garçons. Nous retrouvons le nom de Tat Nun sur la liste du bureau des co-juges d'instruction à l'entrée numéro 12544. Et cette liste nous a permis d'identifier des documents d'époque, dont deux listes de prisonniers qui vont vous être présentées à l'écran dans un instant. La première qui nous renseigne sur la date d'entrée de Tat Nun à S21 et la deuxième sur la date d'écrasement de Tat Nun à S21. Je vais commencer par la première liste, E3/10453. Où vous voyez au numéro 64, qui a été entouré dans un encadré rouge, le nom de Tat Nun, donc le mari de cette partie civile. On apprend qu'il est de Phnom Troch, qu'il est entré le 13 février 1976 à S21. Et puis, le document E3/10507, qui est une autre liste d'époque de S21, nous apprend que cette même personne, enseignant de Phnom Troch, a été écrasée le 23 mai 1976. Autre partie civile qui s'est constituée suite au décès d'un de ses proches à S21, Sien Wandi. Cette partie civile a perdu son frère, Sien Pon, à S21,
Et je souhaiterais lire un extrait de sa constitution de partie civile pour que nous faisions connaissance avec son frère. Je vais lire un extrait du document E3/5888 aux ERN en Khmer 002-11-3-1-5. Anglais 002-34-5-8-6. En français 002-34-7-0-0. Sinwandi indique. Sinwandi says the following. En 1974, sont entrés dans l'armée des Khmers Rouges mes deux petits frères. Seang Pat, de sexe masculin, né en 1950, et Seang Pon, de sexe masculin, né en 1954. Ils sont tous les deux nés au village de Sacho, commune de Choy Bantay, district de Preak Prasset, province de Krachi. À partir de ce moment-là, jusqu'au 7 janvier 1979, ils ne se sont plus vus retourner au village natal et n'ont laissé aucune nouvelle d'eux jusqu'en 2006. Fin 2007, je me suis renseignée auprès d'un journal montré par un ami de l'un de mes frères. Le journal illustre une biographie et une photo de Seang Pon. Le nom du frère de cette partie civile figure sur la liste du bureau des co-juges d'instruction au numéro 6627. Et nous avons deux documents à vous présenter. Le premier document est une liste de prisonniers de S21. Et le deuxième document est la couverture de la confession de Seang Pon à S21. Le premier document, E3/9951, à la position numéro 20, entry number 20, mentionne le nom de ce frère, Seang Pon. Il avait 25 ans. He was 25 years old. Il est entré à S21 le 4 octobre 1977 et il était membre du bataillon 701. La couverture de sa biographie que nous trouvons au numéro E3/3648 nous donne une information complémentaire. Il était membre du bataillon 701 de la division 174. Une autre partie civile et un autre proche décédé à S21. Il s'agit de la partie civile Chunno, qui a perdu son mari, Nusamon. Et c'est ce qu'elle explique dans sa constitution de partie civile au numéro E3/4670. Aux ERN en Khmer, 02-11-3-7-4, en anglais, 00-23-9-7-5-6, en français, 00-25-0-0-0-6. Et elle indique que le 9 août 1977, son mari, Nusamon a été emprisonné à Tuasslang. Son mari a le numéro 5747 sur la liste du bureau des co-juges d'instruction et son nom
a été trouvé dans deux listes d'époque que je souhaiterais vous présenter maintenant, en commençant par le document E3/99-54. Où nous voyons le nom de Nusamon en première position. Il avait 29 ans et il est entré à S21 le 30 juillet 1977. Le deuxième document, E3/8591, contient au numéro 61 le nom de Nusamon et nous apprend que celui-ci était un combattant au sein de K-62. Martin Lefebvre s'est également constitué partie civile devant ce tribunal pour suite au préjudice moral qu'elle a subi suite au décès de son mari, Ouquette. Son mari était troisième secrétaire de l'ambassade du Cambodge au Sénégal. Elle s'est constituée partie civile par le biais du document E3/4682. Et nous avons deux documents concernant Ouquette. Et je précise aux parties que le deuxième document est celui à propos duquel j'ai envoyé un email ce matin pour savoir s'il y avait une objection à ce que nous présentions cette liste que nous n'avions pas identifiée avant ce matin. Donc, Ouquette est au numéro 4612 de la liste du bureau des co-juges d'instruction. Et nous souhaiterions présenter deux listes d'époque de S21 qui nous renseignent et ont renseigné la partie civile sur la date d'entrée et la date d'écrasement de Ouquette. Je voudrais présenter tout d'abord le document E3/96646. Où vous voyez en position numéro 3 de ce document qui s'intitule « Liste des prisonniers entrés » le 15 juillet 1977. En position numéro 3, donc, vous avez le nom de Ouquette. Son âge, il avait 31 ans lorsqu'il a été détenu à S21. On nous indique qu'il venait du ministère des Affaires étrangères et qu'il était troisième secrétaire d'ambassade. Le document E3/72-10 contient à l'entrée 43 le nom de Ouquette. Includes Ouquette's name at entry number 43. Cette liste est intitulée Liste des prisonniers écrasés smashed le 9 décembre 1977. La dernière partie civile, the last civil party, à propos de laquelle nous souhaitions présenter des documents qui nous paraissent importants et sur lesquels nous souhaiterions attirer l'attention de la Chambre, c'est la partie civile Ouyat, qui a perdu un proche nommé Thuon Sayen. Ouyat s'est constitué partie civile
Et je souhaiterais lire un extrait du document d'information supplémentaire de partie civile qui permet de comprendre qui était cette personne. Il s'agit du document E3/60133A. ERN en Khmer 00581945 en anglais 00085066. Traduction en français qui a été demandée, mais la traduction n'est pas encore disponible. Dans ce document supplémentaire, Ouyat, la partie civile, indique qu'elle souhaite transmettre à la Chambre la biographie de Thun Sayen, qui était un homme de 31 ans et qui a été détenu le 21 janvier 1977 à Tuosleng, et qu'il s'agissait du cousin de sa mère. Ce nom a été retrouvé sur la liste compilée par le bureau des co-juges d'instruction. Son nom apparaît à l'entrée 12897. Et nous avons trois documents à présenter. Le premier qui est la biographie, E3/60133A. Qui est donc le document que Ouyat a transmis à la Chambre et sur lequel nous pouvons voir la photo de Thun Sayen. Et puis nous avons le document E3/22266. Qui est une liste de prisonniers de S21, où vous voyez le nom de Thun Sayen et son alias At. Et enfin, le document E3/2001, qui là aussi indique en position numéro 12 que Thun Sayen, se surnommait At, alias At, qu'il était peintre, et qu'il était détenu à S21. Voilà, Monsieur le Président, j'en ai terminé de la présentation des documents clés. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la Co-avocate principale. It is now time for the adjournment today. Le moment today, important de lever l'audience d'aujourd'hui. And the chamber will resume the key documents la hearing on the Tuesday, 16 August 2016 at 9 a.m. And on Monday, 16 août 2016, 15 August 2016, the lundi, chamber will 2016, continue to hear the victim impact statements and injury which were inflicted on civil parties during the decay in relation to security centers and internal purges. Therefore, you are all invited to be here on time next week. Security personnel are instructed to bring the two accused, Nguyen Chee and Kyo Sung Phan, back to the ECCC detention facility and have them returned into the courtroom on Monday before 9 a.m. The court is now adjourned. Dans le prétoire lundi avant 9 h. L'audience est levée.